L'idée de ce temps, c'est avec les animateurs des ateliers, on a fait un débrief pendant que vous étiez en visite sur l'exploitation. Donc je vais essayer de raconter ça très rapidement en quatre points. Et puis dans un deuxième temps, vous faire réagir sur ces quelques éléments de synthèse, parce que vous avez sans doute d'autres choses à dire, à compléter ce qu'on va pouvoir vous raconter en avant. Et un petit temps d'échange avec vous après. Alors, quelques points qu'on a essayé de dégager tout à l'heure avec les animateurs des ateliers. Premier point qui est ressorti, c'est que le territoire et la typologie qui vous a été proposée, qui est encore sur le côté à côté de moi, ou plus exactement la pertinence de l'entrée par la typologie, ont quand même assez été interrogées. Cette histoire urbain, périurbain, rural, dynamique, hyper rural, visiblement, ça vous a moyennement parlé. Pourquoi ? Parce que, quelque part, les représentations que vous avez, que les chefs, différents chefs de projet, porteurs de projet, ont, ne sont pas trop prises en compte là-dedans. Et vous pouvez être dans un espace, mais vous ne vous sentez pas de cet espace-là. Donc, ces cartes interrogent. Les perceptions des acteurs donc, sont très variables et leur auto-positionnement ne se fait pas forcément par rapport à ces outils-là. Il n'empêche que ces outils-là sont quand même produits par le CGET, Robert Chazelle l'a rappelé, c'est quand même une source importante pour, comme une ressource pour positionner vos projets. Et on s'est dit que peut-être cette entrée-là par le territoire, il faut un peu de temps pour que ça décante. Il faut laisser sans doute un peu de temps pour que petit à petit, ça infuse et que ça crée peut-être des dynamiques de projet. Première idée, ça. La deuxième, c'est qu'on a parlé, on a utilisé pas mal de notions, rural, urbain, périurbain, ainsi de suite, et puis d'autres notions plutôt liées à vos différents projets. On se rend compte que très souvent, les uns et les autres, on emploie les mêmes mots, mais on ne parle pas la même langue. C'est-à-dire qu'on ne met pas du tout les mêmes significations derrière. Pour les uns, ce qui est rural, c'est du périurbain, ainsi de suite. Et donc, on a mis en avant la nécessité, sans doute, de mettre en travail avec les acteurs, avec les partenaires, ces questions, ces notions. Qu'est-ce qu'on entend les uns les autres par ceci, cela ? Alors là, il y a rural, urbain, périurbain, mais il y a aussi sans doute d'autres notions qui sont au cœur de vos projets. Ça crée souvent de la confusion et on arrive à parler de choses avec des gens, on croit qu'on parle la même chose, mais finalement, ce n'est pas du tout ça. Ça nous a amené à une idée un peu connexe, c'est-à-dire que si on fait ça, on va automatiquement rentrer dans des controverses. Parce qu'on va se rendre compte que ce pourquoi on était peut-être ensemble, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Et ces controverses, elles sont intéressantes à la fois pour le développement territorial, elles sont aussi intéressantes pour les apprentissages avec les jeunes. Par contre, entrer dans les controverses comme ça, la fleur au fusil, c'est dangereux. Ça se travaille en amont, au préalable. Ça demande même, certains groupes ont dit que ça demandait même de la formation, parce que ça questionne aussi nos façons de faire. On a entendu des choses aussi pendant ces deux jours qui viennent questionner notre rapport à la vérité. La parole du chercheur, on a des fois tendance à la prendre comme une parole de vérité, alors que, finalement, ce n'est qu'un point de vue étayé, argumenté, qui a de la valeur. Mais comment le prend-on ? Est-ce qu'on le prend comme une vérité ? Est-ce qu'on le prend comme quelque chose qui vient questionner nos représentations, nos façons de faire ? Et ce temps-là, il est sans doute important dans tous les projets pour mieux définir, dessiner les relations avec le territoire. Troisième point que nous, on a relevé, on s'est posé la question de comment les projets, vos projets, appréhendent mieux l'espace, le territoire. En quoi le territoire est-il porteur de plus-value ? Et ce qu'on a sorti, c'est que finalement, le projet, l'objet et le lien au territoire ne sont pas forcément toujours bien formalisés. Il y a plein de choses qui sont sous-jacentes et qui pourraient donner peut-être un peu plus de consistance ou de clarification sur cette notion de territoire. Il y a des enjeux, en fait, derrière, et c'est rentrer par les enjeux, ça permet de renvoyer plus facilement aux différenciations territoriales.
On va mieux comprendre si on part d'un objet, d'un projet, et si on s'interroge sur les enjeux, finalement, sur le territoire, quel territoire, avec quel territoire je travaille, avec quel acteur, pourquoi cela, pourquoi pas d'autres. Si je fais ce choix-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi il va falloir faire attention peut-être, parce que certains acteurs qu'on minore, demain on peut se les prendre peut-être dans la figure. Et donc, au travers de cela, on s'est rendu compte que la question du territoire était difficilement pensée. On ne pense pas forcément le territoire. On va chercher des acteurs du territoire, ça, il n'y a pas de souci. On a nos acteurs privilégiés du territoire. Mais la question de penser territoire, la façon de penser territoire, ce n'est pas des choses que l'on aborde telles quelles dans nos projets. Alors, ce n'est pas forcément une obligation, mais ça aide, faire ce boulot-là, ça aide à construire du sens et à savoir pourquoi on est ensemble. Et pourquoi un tel et pas un autre tel. Dernière idée qui est ressortie, puisqu'on a un peu remis en question, critiqué cette notion, ces cartes, ces différentes cartes, sans doute qu'il y a plusieurs cartes et pas une seule à prendre en considération. Et une autre carte, c'est peut-être celle des territoires subis et des territoires choisis. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans des espaces dits hyper ruraux que ce n'est pas un choix. C'est pas parce qu'on est dans ces territoires-là qu'il n'y a pas une bonne connectivité à un certain nombre d'acteurs. Et là, c'est pas que les autoroutes, la connectivité, c'est pas que les gares TGV, c'est aussi la 4G, par exemple. Et est-ce que le fait d'être dans ces territoires, ça nous permet de quand même mobiliser du capital? Une notion qui est venue nous dans notre échange, c'est cette fameuse notion de capital. Capital social, capital culturel, capital relationnel, capital économique aussi. Et c'est ce que Jacques Lévy, je ne pense pas qu'il ait employé le terme hier, c'est ce que lui, il appelle le capital spatial. Est-ce qu'on est dans un espace où il y a du capital spatial ou pas? Et c'est peut-être ça qui fait en fait la différence. Derrière ces histoires de territoires subis, choisis, dans beaucoup de groupes de retour, il y a la fameuse question des ressources qui est venue. Est-ce qu'on a des ressources? Alors, on peut parler de capital spatial ou de ressources. Et puis, il y a la question des multi-appartenances. On a beaucoup pensé les espaces de manière statique. On pense aussi les individus de manière statique qui sont dans un espace. En fait, c'est plus vrai maintenant, ça, avec les communications, avec la mobilité. Les gens sont dans plusieurs espaces à la fois. Et ils appartiennent à plusieurs espaces. Je prenais un exemple dans un atelier où je suis passé. Il y a quelqu'un qui disait, on nous a classés dans l'hyper rural, mais moi non, on est à 30 ou 40 km d'une grande métropole. Par contre, dans l'établissement, chez nous, c'est vrai, il y a des gens qui habitent à la ville, il y a des gens qui habitent dans le périurbain, il y a des gens qui habitent dans un rural reculé. Ils se retrouvent ensemble. Est-ce que ça crée de l'opportunité? Est-ce que ces cultures-là se mélangent et créent de l'opportunité pour le projet? Ou alors chacun reste dans ses silos? Voilà les quelques éléments. Moi, je l'aimais bien, cette carte. Non, mais parce que le retour a l'air plutôt négatif. Moi, je la trouve très utile, mais elle ne fait pas tout. C'est ce que je te disais tout à l'heure, elle ne fait pas tout. Elle traduit quand même une certaine réalité des environnements dans lesquels nous vivons, il me semble. Enfin, voilà. Moi, elle m'a bien plu. Ah oui, je ne me suis pas présenté. Denis Mourin, Saint-Jean-Brévelay, donc en campagne dynamique. Et Hennebon en ville. Valérie Amance, lycée des Calanques à Marseille. Dans notre atelier, on ne nous avait pas présenté ça comme ça pour la restitution. Nous, on a travaillé sur les leviers qui étaient liés à notre positionnement dans un territoire. Et en fait, en synthèse, on a dit que quand on déposait un projet tiers-temps ou pour un chef de projet, on avait bien en tête cette notion de territoire, mais en même temps, on ne l'avait pas forcément complètement suffisamment approfondi et qu'on avait vraiment intérêt, quand on lance un projet tiers-temps, à vraiment s'ancrer dans le territoire pour le comprendre, pour connaître les réseaux, et qu'on gagnait beaucoup de temps en n'oubliant pas cette dimension vraiment très très importante du territoire.
Oui, donc Jérôme Sainte-Marie de Hoche, voilà, dans le Gers. Alors on va travailler tous les deux là, puisqu'on est les deux porte-parole du même groupe qui a bossé en salle Mérinos. Alors, ce que je pourrais dire par rapport à ce que tu as dit, Christian, c'est que nous, on ne s'est pas vraiment attaché aux quatre typologies en fait, de territoire. Voilà. Peut-être parce qu'on était issus de territoires pour beaucoup, enfin, qu'on appréciait subjectivement, et on n'arrivait pas à se positionner. On a plutôt trois catégories. L'urbain, on est tous d'accord, c'est un extrême. Le périurbain, on voit bien ce que c'est, et on a fait le rural. Quoi. Parce que la notion de rural dynamique, en fait, on n'a pas réussi à la comprendre. Je pense qu'elle n'a pas été assez explicitée pour nous. Et donc, du coup, on a fait plutôt un gros groupe rural. Quoi. Voilà. Et ce qu'on peut en retenir aussi, c'est qu'on a, dans cette typologie-là, qui est un petit peu exclusive, nous, on voit plutôt un nuancier, où au final, notre territoire de projet peut se situer sur de l'urbain, sur du périurbain ou du rural en même temps. Et peut-être qu'il n'y a pas de grosse différence entre de l'urbain, un petit peu moins dense, et du périurbain dense, quoi. Et qu'au final, voilà, il ne faut peut-être pas chercher non plus une typologie qui découpe pile poil le territoire. Avec, il y a peut-être des porosités qui font qu'on a peut-être aussi du mal à se situer là-dedans, quoi, nous en tant que chargé de projet. Quoi. Émilie Vimer du lycée agricole Amel. Ce que je voulais rajouter, c'est que cette notion en fait, était assez subjective. Hein, on a vraiment tourné ça là-dessus. Parce qu'en fonction d'où on se positionne, on peut de l'extérieur considérer que c'est du périurbain, mais de l'intérieur considérer qu'on est en urbain. Enfin, et c'est vraiment ça qui est ressorti, je pense, dans le groupe, c'est que en fonction de notre passé aussi, quand on change d'établissement, on est dans le groupe, il y en avait plusieurs qui ont changé d'établissement et qui se retrouvaient dans des villes, mais qui considéraient quand même que c'était pas vraiment la ville, quoi, au vu de la taille ou etc. Et ça s'est retrouvé dans les deux sens en fait. Voilà. Il y avait autre chose qu'on avait dit. C'est déjà pas mal, hein, oui. Guilhem Erenet, Terre d'Horizon, à Romans. Moi, je ne pense pas qu'on a rejeté la typologie en tant que telle. La carte, elle est certainement très pertinente, les critères pour l'établir aussi. C'était plus que... très rapidement, on est parti sur autre chose. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on pensait qu'il y avait... d'autres facteurs qui influençaient plus en fait, qui influençaient plus notre projet et les directions que ça prenait, que le fait d'être en milieu rural ou en milieu urbain ou entre les deux. Et il y avait un exemple notamment où on disait il y a des territoires qu'on pourrait qualifier, des espaces qu'on pourrait qualifier d'urbains, qui sont par exemple très pauvres en termes de dynamique et de présence des acteurs, et des territoires qu'on pourrait classer dans l'ultra-rural. Où il y a des acteurs qui sont très présents et une dynamique entre ces acteurs qui est intense et riche. Donc voilà, c'était pas pour le rejeter, c'est qu'on est, ça nous a moins parlé que d'autres choses. Voilà. Elvire Finance, lycée viticole d'Orange. Alors on a une petite présentation PowerPoint, mais j'ai pas le bon ordinateur. C'est pas du tout l'objectif d'une présentation PowerPoint. Alors par rapport à ce que tu disais, moi il me semble à titre personnel que c'est donc un mélange de ressentis et de faits, plus ou moins avérés dans un processus qui est évolutif et une dynamique dont on espère tous qu'elle soit positive. Maintenant, effectivement, il y a certainement des facteurs de cause à effet, des problèmes, des solutions qui varient selon les cultures, peut-être plus que selon des critères géographiques purs. Là aussi, dans notre groupe, on a un petit peu, on a été dubitatif par rapport à la segmentation géographique. Pourquoi est-ce qu'il faudrait trouver des critères et une typologie géographique? Est-ce que le culturel n'est pas plus important? Est-ce que le facteur humain ne peut pas jouer culturellement, interculturellement aussi? On peut très bien être connecté avec un territoire très rural, hyper rural, et pas du tout avec un territoire urbain où l'identité du territoire n'est pas suffisamment forte et fédératrice pour créer une émulation et un travail en commun, une coopération. Moi, je voudrais, parce que je n'avais pas compris que c'était ça, mais donc pas par rapport aux ateliers qu'on a pu avoir, mais plus sur cette notion de rural ou d'urbain. Moi, je dirais qu'à titre personnel, ça m'a quand même interrogée sur le fait qu'on est en lycée agricole et on n'est pas en lycée... et que l'agriculture,
le questionnement suite à l'intervention hier, c'était plus de se dire, bah oui, de toute façon, qu'on soit entre guillemets en rural ou en urbain, donc là, moi, je suis en ville, hein, dans un lycée d'enseignement agricole. Auparavant, j'étais dans un milieu rural en chambre d'agriculture, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais je me dis que, de toute façon, c'est clair qu'on n'est plus une société centrée sur l'agriculture. Donc, c'est vraiment une dimension à prendre en compte, même si on a des publics agricoles ou, entre guillemets, qu'on pourrait dire ruraux. En fait, toute la société ne repose pas sur cette agriculture d'une certaine façon. Donc, du coup, ça doit changer aussi ce qu'on peut proposer, nous, en tant que lycée agricole. C'est plus cette dimension, moi, qui m'interroge, comme tu disais, à plus long terme après. Je voudrais juste rajouter un dernier point qui m'est revenu. C'est qu'on s'est interrogé à la fin là, sur l'importance du territoire dans nos tiers-temps. Et on se rend compte qu'en fonction de la thématique qu'on a choisie, la part du territoire est vraiment différente. Enfin, ça va vraiment, enfin, on utilise de 0 à 100%. Quoi. Et ça, cette hétérogénéité-là, elle est assez importante, je pense, en fonction du projet qu'on a. Mais le fait d'en avoir parlé aujourd'hui, peut-être ça changera aussi les orientations qu'on va prendre quand on va revenir dans nos établissements. Tu as parlé de pensée territoire et tu l'as mis en opposition avec l'exemple où tu disais je suis dans mon EPL et je vais chercher des acteurs sur le territoire. Et nous, comme on a beaucoup parlé de ça, j'aurais aimé que tu nous expliques ce que c'est pensée territoire. Alors, c'est parce que c'est pas pour te piéger. C'est non. C'est-à-dire qu'en gros, très souvent, on pense son projet et on regarde le potentiel du territoire au travers de son projet. Donc on pense comme ça, on pense un peu centré sur soi ou sur sa préoccupation. Alors que penser territoire, en gros, c'est penser en regardant de l'autre côté, en disant, voilà, le territoire, il a des ressources, il a peut-être aussi certains manques, il va falloir que j'aille chercher sur d'autres territoires, et comment le territoire peut nourrir le projet que je suis en train de construire. La question, parce qu'on l'a vu sur d'autres questions, très souvent, on est enfermé dans son projet, son truc, son EPL, et on pense un petit peu le monde à partir de cet espace-là. Alors que, et on regarde le territoire de ce côté-là, alors que, en faisant ça, on peut louper des choses assez intéressantes. Parce qu'on n'en a pas conscience au début, parce qu'on est omnubilé par le projet. Et donc, penser à partir du territoire, de ses différentes opportunités, y compris les choses qu'on n'a pas mobilisées ou qu'on n'a peut-être pas besoin de mobiliser non plus, ça donne un autre regard, ça éclaire sur son projet, ça met aussi un peu de distance et on se rend peut-être un peu plus compte de certains problèmes qui nous arrivent. C'est penser un peu différemment. On fait le lien, dans les échanges qu'on a eus aussi dans différents groupes, faire le lien avec la question de pensée conventionnelle ou agriculture conventionnelle, si on veut provoquer, et pensée agroécologie. C'est-à-dire qu'on ne pense pas de la même façon. Et c'est, si on veut enfiler la logique agroécologique sur une pensée agriculture conventionnelle, à mon avis, on ne va pas aller bien loin. Et l'idée de... Je vais formuler ça comme ça. Et penser territoire, c'est s'obliger à se regarder pédaler, en fait, puisqu'il y en a qui ont travaillé sur le vélo, plutôt que d'être tout le temps le nez dans le guidon. Quoi. Mais moi, ce que j'ai entendu aussi dans vos retours, c'est que vous dites que finalement, ce qui va compter, c'est pas dans quel type de territoire on est, c'est la question des ressources. Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai pas assez? Est-ce que je sais les mobiliser à bon escient en étant conscient que si je mobilise telle ou telle ressource, attention, je vais me positionner de telle ou telle façon avec les acteurs sur le territoire. Si je travaille, je dis n'importe quoi, qu'avec le GAB, ou si je travaille plus largement avec des agriculteurs d'obédience différente, de pensée différente, il ne va pas y avoir la même définition, le même contour du projet, et derrière, il ne va pas y avoir les mêmes apprentissages avec les jeunes. Donc la question pensée territoire, c'est aussi se dire, sur le territoire, comment on pense, peut-être un peu différemment, la même question que moi, je suis en train de me coltiner. Et ensuite, faire des choix peut-être d'acteurs, mais au moins les faire en connaissance de cause et peut-être de conséquences aussi. Et la question de penser différemment, je pense qu'elle est au cœur aussi de cette relation au territoire. Quoi.
Et quand on a dit là avec les collègues, finalement, on ne pense pas trop au territoire, on pense plutôt les acteurs du territoire avec qui on pourrait penser. Alors, pour être un peu provocateur, c'est un peu penser avec des trucs, alors inconsciemment, bien sûr, hein, pas forcément consciemment. Alors que la richesse, elle est peut-être dans un moment se décentrer et intégrer davantage la question de l'autre, qui est différent et qui va venir nous titiller un peu dans notre petit confort. Des réactions dans la... Parce que des réactions peut-être d'abord vous, et puis on donne la parole à la salle. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a plusieurs fois dans notre groupe des gens qui ont exprimé l'idée que effectivement une des difficultés c'est que nos établissements sont pas toujours très connus dans le territoire ou pas très un peu transparents. Alors ce qui n'est sûrement pas le cas de tous les établissements, mais un établissement qui est plutôt transparent dans le territoire, s'il conçoit son projet juste lui tout seul avec quelques autres, effectivement, ça va avoir du mal à sortir. Et effectivement, un établissement plutôt transparent va vraiment avoir besoin à penser par rapport au territoire, comme tu viens de l'expliquer, pour que le projet puisse vivre et se développer. Parce que personne ne l'attend, l'établissement. J'imagine qu'un établissement qui fait référence dans son pays, dans sa région, lui, va avoir moins besoin de prouver qu'il est légitime et il va pouvoir arriver un petit peu plus en centrant le projet sur lui-même. Mais voilà, je pense que plusieurs fois, il y a des collègues qui ont exprimé cette idée de difficulté de justifier sa présence à une table ronde, pour plein de raisons. D'autres réactions ? Bon, juste un petit point, je me reposais la question de la dimension du territoire, en fait. Parce que, bon, je pense que selon nos projets, il y a des échelles de territoire très, très différentes. Est-ce que c'est le bassin autour du lycée, le bassin, dans le sens on l'entend à l'éducation nationale quand on entend un chef d'établissement qui nous disent qu'ils partent en réunion de bassin. Est-ce que c'est l'échelle de la communauté de communes, communauté d'agglo, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est l'intercommunalité, est-ce que c'est quand on est situé sur un territoire limitrophe en bout de département, est-ce qu'on est à cheval sur plusieurs départements. C'est un peu ma question, parce qu'on a parlé du territoire, mais il y a des échelles de territoire, en fait. Est-ce que quelqu'un autour de la table a envie de réagir ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a le territoire, de manière, je dirais, presque objective, imposé de façon verticale par les institutions. Et à mon sens, en tout cas, le territoire est celui que se choisit l'établissement. Dans le projet d'établissement, plus ou moins formalisé, bien sûr, malheureusement, ou par les collègues, par les équipes qui travaillent sur telle et telle mission. Donc moi, je vois plutôt, à mon sens en tout cas, le territoire comme étant une zone d'influence subjective de partenaires avec lesquels on pourrait ou on coopère dans un but pédagogique, éducatif, avec des objectifs partagés par l'établissement et les partenaires. Oui, pardon. je pense que au-delà de la zone d'influence d'un établissement, chaque projet, à l'intérieur d'un établissement, chaque projet a... Moi, j'aurais utilisé le terme de périmètre, mais a un périmètre d'action et qui n'est pas forcément le même que le périmètre de l'établissement en lui-même. Mais ça dépend de la définition du projet. Mais ça fait partie, je pense, de ça. Enfin, c'est une question qu'il faut se poser au moment de la préparation du projet. C'est quel est le périmètre ? Alors, oui, pour essayer de retracer aussi ce qui a été dit dans notre groupe, comme en fait on a plusieurs tailles de territoire qui sont un petit peu concentriques, et on a plein de structures territoriales avec lesquelles on travaille régulièrement, et ce aussi en fonction de l'historique de l'établissement, on a forcément des territoires très riches, et jamais le territoire est une contrainte en fait dans notre travail. Il n'y a pas eu de vision négative du territoire, ça aurait pu l'être des fois sur certains projets, puisqu'on a beaucoup de richesses, en fait, on a le choix, quoi. Et en fonction de nos besoins, qui en plus évoluent sur les 3 ans du tiers-temps, eh bien, on va avoir des échelles territoriales, des échelles de travail, des distances aussi qui vont être variables.
ce qui fait qu'on a du mal aussi à définir le territoire type sur lequel on travaille des fois. Dans votre groupe, parce que je suis passé à un moment, il y avait la question du périurbain l'idée que dans certains territoires, il y a plus de questions, d'opportunités, mais aussi de contraintes qui peuvent intervenir et interférer différemment sur le projet. Est-ce que c'est cette question de questions que le territoire pose, d'après vous, est-ce que tous les territoires, quels qu'ils soient, posent le même type de questions sur le même projet, hein, pour comparer des choses, ou alors, vraiment, quand on est dans certains territoires, les questions qui vont nous revenir, soit en positif, soit en négatif, sont pas forcément les mêmes. Donc, est-ce que les territoires sont quand même différenciés pour les projets ou pas ? Je pense qu'il y a un problème d'opportunité qui peut se poser. À tel moment, on a tel projet, il y a un facteur chance qui, à mon avis, est indéniable. Un facteur opportunité, on saisit ou pas l'opportunité parce qu'on a la ressource humaine, la ressource matérielle, les compétences, la ressource financière certainement aussi. Après, effectivement, il y a certainement des liens partenariaux qui sont privilégiés de par leur fréquence, de par la proximité géographique, etc. Mais il y a certainement, oui, selon certains territoires, des demandes plus ou moins fortes ou des attentes plus ou moins fortes du territoire vers l'établissement. Malheureusement, il n'y a pas toujours d'espace institutionnel pour nous qui ne sommes pas personnel de direction, en tout cas, pour élucider, approfondir ces attentes. Moi, je rêverais d'un espace plus institutionnel où, comme j'entendais une collègue qui parlait d'un LEA, un lieu éducatif associé, ou avec l'éducation nationale, par exemple, des chercheurs. On se met autour d'une table et on est légitime, entre guillemets, pour le faire. Et il y a plus d'acteurs du territoire qui sont présents et qui donnent lieu, j'espère, à une certaine créativité, à une certaine émergence, approfondissement des besoins. En t'écoutant, je repensais à l'histoire des tiers-lieux. Des tiers espaces, tiers lieux dont Patricia Andriot et Jacques Lévy ont un peu parlé hier. Une autre question ? Je vais peut-être être un peu sec, mais moi ce qui me gêne depuis le début, c'est qu'on ne définit pas les concepts qu'on manipule. Et on parle beaucoup de territoire. Il y a une réflexion qui a eu lieu il y a très peu de temps. On a parlé de périmètre de projet, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on parle beaucoup de territoire. Mais territoire, ça a un sens très précis en géographie, par exemple. On sait que la définition, c'est une portion d'espace appropriée par une communauté. C'est pas pareil qu'un espace de projet. Et c'est pas pareil qu'une société. Enfin, il y a des choses différentes. C'est pas une portion d'espace comme ça. On découpe comme on a envie parce que là, on n'y est pas. Là. C'est vraiment. Il existe déjà des communautés. Et c'est là que je suis peut-être en désaccord avec l'intervention d'hier. C'est qu'il y a encore des dynamiques sociales. Il y a encore des choses, des sociétés qui existent, des communautés qui existent sur ces espaces. Qui se l'approprient, qui s'identifient, c'est-à-dire qu'ils sont de là, ils ne sont pas d'ailleurs, ils ont des liens en interne, et nous, il faut qu'on compose avec ça, et parfois, le projet n'est pas territorial. Le projet, il peut être thématique, il peut être... évidemment, il est spatialisé, mais il n'est pas territorial. Et donc là, on n'est pas toujours... c'est différent dans l'approche qu'on a par rapport à une demande. Une demande, elle peut être moins explicite, plus explicite, transversale, sur des thématiques qui peuvent être des thématiques de filière ou autres, qui sont justement qui n'ont pas cette dimension-là. Par contre, si on travaille sur les territoires, effectivement, ça pose question de comment on travaille, comment on s'articule, comment on se positionne, comment le PL est positionné, est-ce qu'il est dedans, dehors ? Ça aussi, c'est important, parce qu'il peut être acteur, mais il peut être aussi extérieur, apporter une expertise. C'est des questionnements importants, ça. Comme l'a souligné mon collègue, effectivement, la notion de territoire peut être très fluctuante. Peut-être que c'est bien, au final, qu'elle soit très évolutive et qu'elle ne soit pas figée. Mais effectivement, la variabilité, on va dire, de cette notion de territoire induit une complexité qu'on a peut-être du mal à formaliser, à rationaliser. Alors peut-être qu'on n'est pas encore assez bon et qu'il faut qu'on décide autrement. Peut-être que c'est la récurrence de certains projets avec tel et tel type de territoire qui va consolider ou formaliser un territoire. En disant, moi je travaille plutôt avec l'Est du département ou avec tel pays au niveau touristique ou avec tel partenaire au niveau professionnel parce que ça se passe bien.
Peut-être que c'est effectivement l'évaluation des projets précédents qui pourrait peut-être donner lieu à une pérennisation ou une prolongation. Faut, très rapidement, quand tout à l'heure on a parlé de mettre en travail les notions, il n'y a pas une définition de territoire, il y a plusieurs géographes qui ont plusieurs définitions qui peuvent se recouper, ainsi de suite. Puis il n'y a pas que les géographes qui sont maîtres de la notion de territoire. Donc mettre en travail tout cela, ça permet aussi de se donner des repères pour mieux parler, en gros, de la même chose et qu'on n'ait pas de confusion comme on peut en avoir, y compris avec les apprenants. Parce qu'on en parle très peu, on n'en a pas parlé vraiment beaucoup. Mais la finalité de tous ces projets, c'est bien quand même les apprentissages. Il y avait d'autres questions. Oui, moi j'avais une réflexion, plutôt qu'une question. En fait, tous les projets ont répondu à un appel à projet qui s'appelle animation et développement des territoires. Donc en fait, pour moi, c'était évident que voilà, vous avez écrit, enfin, les établissements ont écrit, ont répondu à un appel à projet. Ils ont écrit un projet animation et développement des territoires. Voilà. Donc du coup, ça m'interpelle, le 10% autour du territoire. Enfin voilà, ça m'interpelle un peu. C'est pas une critique, absolument pas. Hein, c'est voilà. Et du coup, je me dis souvent, enfin moi, j'ai été tiers-temps, voilà. Et en fait, avec le recul, je me dis, bon, évidemment, on sait que ça ne veut rien dire, tiers-temps, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas chargé de projet, animation, développement, territoire, quoi ? Voilà. Pourquoi on ne sort pas de cette distinction tiers-temps qui ne veut évidemment rien dire, mais qui ancre absolument pas ni dans l'animation, ni dans le développement, ni dans le territoire ? C'est vrai que moi, à l'extérieur, je dis mission d'animation des territoires. Mais en interne, on dit tiers-temps. Ou quand je dis tiers-temps, j'explique parce que c'est... Voilà. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on définit par territoire, là, c'est un espace de partage de projets, de conditions, de culture, d'histoire, de climat, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'agriculture est quand même tributaire du climat, donc les territoires, ils peuvent aussi se délimiter comme ça. Voilà, donc c'est, comme vous disiez, il y a différentes échelles, et je pense que c'est même dans notre intérêt de ne pas figer la notion de territoire et la réduire à une définition très stricte. Ouais. Il y avait une autre question tout à l'heure. Pascal Faucompré, donc pour la DGER. Pour la question du nom tiers-temps, on est tous d'accord que ça ne veut strictement rien dire. Je rappelle qu'il y a quelques années, on a essayé de chercher un nom, on n'en a pas trouvé. Mais je suis le premier preneur à dire que pour les partenaires, tiers-temps, ça ne veut rien dire. Ça te parle tout juste au système éducatif où c'est un tiers de son temps pour faire quelque chose. Donc là, si on avait un nom, ça serait très bien. Vous verrez que ce n'est pas si facile. Et pourquoi pas relancer ? Ensuite, je rejoins tout à fait l'analyse d'Emmanuel. La question de savoir la légitimité ou pas d'agir avec le territoire, c'est bien, elle l'a répété, animation, développement des territoires, c'est la mission. Donc voilà, pas se poser la question si un projet avec ou pas le tiers-temps. Si le comité d'évaluation, quand il regarde bien s'il y a un ancrage qui a été voulu quand c'est déposé. Ça ne pas se poser la question, le territoire, il doit être là. Et c'est un juste équilibre entre les questions pédagogiques, le lien entre ce pédagogique et le territoire, et que ça va développer quelque chose. Donc quand on voit après coup qu'il y a des projets qui se sont éloignés du territoire, pour X raisons, là on se pose question. Et à l'inverse, s'il est trop, on se pose aussi la question, ça veut dire qu'il s'est éloigné de l'éducatif. C'est bien cet équilibre pas facile à trouver, mais qui est la spécificité et tout l'intérêt des dispositifs tels que celui-ci. Alors ensuite, c'est vrai que si vous reprenez la Bible, entre guillemets, 2005, mars 2005, la mission animation des en territoire, elle a besoin d'être vue, et mon voisin le dirait, mais sur la base, on a toujours cette légitimité, qu'on soit enseignant, qu'on soit proviseur, on a cette légitimité parce qu'on a à charge cette mission. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, il ne faut pas trop se triturer l'esprit sur la légitimité. Hein. Après tout, code rural, c'est inscrit, c'est une spécificité de l'enseignement agricole. Donc par rapport à ça, on est légitime. Après, on a essayé d'œuvrer sur plein de choses qui sont autour de ça, les moyens financiers, le CASDAR. Il y a plein d'endroits où les établissements agricoles sont... légitimes parce qu'ils portent en eux cette mission-là, qu'ils ont des personnels dédiés,
j'ai dit, je crois que j'ai employé le mot de révélateur, hein, comme en photographie, vous révélez l'image, le travail qui est fait au niveau de l'EPLEFPA par les tiers-temps, les chefs de projet. Je pense que c'est vraiment notre ADN, quoi. Si on perd ça, je reviens à mon postulat de base qui dit qu'est-ce qui va nous différencier du reste ? Effectivement, on a utilisé le terme de légitimité dans notre groupe. C'était pas forcément une légitimité institutionnelle, parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, la mission a été définie, donc effectivement, nous sommes légitimes. Mais c'était une légitimité éventuellement par rapport à d'autres partenaires, dans une réunion, etc. Je vais prendre un exemple concret. Il m'est arrivé donc de participer à des réunions entre des maraîchers bio et puis une plateforme Manger Bio 56 qui est récente et qui est en train de se enfin qui s'est montée il y a peu de temps, etc. Donc voilà, c'était une discussion. Et à un moment donné, donc j'étais avec le DEA de mon établissement, et il y a un moment donné, quand on leur explique, bon ben nous on aimerait bien fournir des cantines en légumes bio. Moi, j'ai deux professionnels qui me regardent et qui me disent « Mais t'es qui, toi, comme fonctionnaire, pour venir sur notre plate-bande ?» En gros, leur regard voulait dire ça. Et donc, le fait que une note de service on est d'accord. définisse c'est ma mission ne m'aide pas dans débat... ma légitimité vis-à-vis des professionnels. C'est, donc, il a fallu que je trouve un autre discours. Voilà, c'était ça qu'on voulait exprimer quand on parlait de légitimité des projets. Alors, ce débat-là, il existe depuis 1965. Ça veut dire, la loi d'orientation agricole de ce moment-là, elle a scindé en deux le développement et l'enseignement. Et maintenant, on est revenu, on a regagné ce terrain-là, et il se trouve qu'on redevient légitime, parce qu'à un moment donné, vous avez, madame, dit que vous travaillez en chambre d'agriculture, il y a eu une époque où c'était un petit peu tendu, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait les spécialistes du développement, puis il y avait les enseignants de l'autre côté. C'était deux mondes qui se mélangeaient pas bien parce qu'il y avait des enjeux, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a rebattu les cartes. La profession en général admet que l'enseignement agricole est un des partenaires avec lesquels on peut discuter. Ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, vous avez cette légitimité-là qui vous est reconnue et qui fait que finalement, on arrive à faire formation, animation et développement une forme de continuum, et c'est dans l'enseignement agricole. Je répète que c'est nos gènes, quoi. C'est vraiment là-dessus. Hein. Les anciens enseignants qui n'avaient pas des tiers-temps, mais qui étaient à la fois sur l'exploitation et sur l'enseignement, faisaient du développement dans un autre système, critiquable peut-être, mais ils faisaient ça, quoi. Ils développaient des techniques ou ils exposaient des techniques toujours en situation. Je me suis forcément mal exprimé parce que dans ce que j'ai dit en introductif, j'ai dit que l'enseignement agricole, c'était le propre de l'enseignement situé. Ça veut dire contextualiser, ça veut dire approprier à localiser, EPL, local. Donc c'était localisé. Donc il y avait forcément une notion de territoire, de marquage, comme on pourrait le dire. Donc voilà. Après ne refaites pas les anciennes batailles ou les professionnels qui vous regardent en disant il intervient sur le paysage, il va nous manger notre pain, il intervient sur le maraîchage. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été. L'établissement public, local, d'enseignement et de formation professionnelle, a dans ses structures des exploitations agricoles ou des ateliers technologiques. Alors je le répète parce que je redis, c'est des entreprises apprenantes. Donc entreprise, notion de marché, de compétitivité, et apprenante de pédagogie. Il me semble que c'est posé. Donc à partir de là, vous êtes légitime, vous entreprenez, vous mettez en action. J'ai dit, c'est pas au menu, quoi. En ADT, mission, animation, développement des territoires, c'est participer. À la limite, le verbe d'action, on va peut-être le demander à ce qu'il change dans les 5 ans, parce que je sais pas, si on est tout le jour sur le questionnement, on va peut-être louper un peu d'action. Moi, je voulais dire simplement que, au contraire, le fait de dire, quand je présente la mission animation des territoires, et le fait de dire,
entre guillemets, on a un tiers de notre temps où on ne fait pas de pédagogie. Ça veut dire que le ministère met des moyens sur une mission. Donc, au contraire, je dirais que ça apporte de la crédibilité, de la légitimité par rapport aux partenaires qui se disent « Ah bah oui, il s'est pris en compte. » Une dernière question où les mots de Valérie étaient la conclusion. Les mots de Valérie étaient la conclusion. Merci.